Hola, muy buenas tardes. Continuamos hoy con la segunda conferencia del ciclo y contamos con la señora Arlette Serullat. Ella es en la actualidad conservadora general honoraria del Departamento de Artes Gráficas del Museo del Louvre, institución en la que ha trabajado prácticamente toda su trayectoria profesional desde el año 65 hasta el 2006. Y asimismo también ha sido directora del Museo de Eugène Delacroix desde el 84 hasta el 2006. Ha impartido cursos y conferencias en la Universidad de la Sorbona, en el Instituto Nacional de Historia del Arte, en el INAH, y en el Instituto de Estudios Superiores de Artes de París. Es una de las grandes especialistas en la obra de David y de Delacroix y ha trabajado en algunos otros temas como el neoclasicismo, el dibujo alemán en el siglo XIX. Y actualmente comentaba que está muy involucrada en trabajar sobre la pintura española del XIX también. Destacar simplemente porque lo tienen ya en el currículum, pues las exposiciones que ha dedicado precisamente a la figura de David, que se han celebrado en el Louvre, en Versalles, en el Instituto del Mundo Árabe, en distintas instituciones de gran prestigio, en la Galería Nacional del Gran Palais, en Filadelfia, y también las dedicadas a Delacroix y a Matisse en el Museo del Louvre o la que se hizo sobre Corot en la Biblioteca Nacional de Francia en el año 96. Son numerosas las publicaciones que ha dedicado a los dos artistas y ha hecho siempre también mucho hincapié en el estudio de los dibujos y grabados. Su conferencia se dedicará, por lo tanto, hoy a David y tiene por título Entre la historia antigua y la contemporánea, el realismo y el ideal, itinerario de uno de los grandes de la pintura francesa, Jean-Luc David. Muchas gracias. Bonsoir. J'aurais aimé pouvoir vous parler en espagnol, mais j'ai beaucoup oublié, donc je vous prie de m'excuser. J'espère que ce que je vais vous dire à propos de David vous convaincra qu'il s'agit vraiment d'un grand peintre. Et je voulais remercier la Fondation des Amis du Musée du Prado pour cette invitation qui me permet de revenir à Madrid, où je n'avais pas été depuis extrêmement longtemps. Avec ma fille, nous avons été au Musée du Prado aujourd'hui et dimanche. Nous avons été extrêmement éblouis par toutes les œuvres que nous avons vues. Et je dois dire que peut-être parmi nos émotions les plus fortes, c'était bien sûr de nous trouver au milieu des tableaux de Greco, de Zurbarán et de Goya. Mais moi, je vous parle de David. David n'est pas un artiste qui a éprouvé le besoin de se représenter, souvent, comme l'a fait par exemple Rembrandt au XVIIe siècle. Mais vous voyez deux autoportraits qui ont été peints à quelques années de distance, avec celui à gauche de l'écran qui a été peint en 1791, qui s'intitule généralement l'autoportrait aux trois collets, et à droite, l'autoportrait peut-être le plus célèbre, qui est au musée du Louvre et qui a été peint en 1794. Ces deux portraits, en fait, nous montrent le même homme, mais différent. Vous avez le gentilhomme, d'une certaine manière, à gauche, et vous avez véritablement le peintre, à droite. Tous les deux avec un regard extrêmement expressif, qui est pour moi l'expression, en fait, de la passion qui a animé David toute sa vie. Et c'est un petit peu sur cette passion que je voudrais revenir avec vous. Ce que je voulais aussi vous dire en commençant, c'est que l'interprétation de l'art de David s'est largement développée depuis les années 1980, et plus particulièrement depuis la grande exposition qui avait été organisée au Musée du Louvre et à Versailles en 1989, avec le plus grand historien de la peinture de David, qui était Antoine Schnapper, qui malheureusement est mort depuis. Et parallèlement à cette exposition, il y avait eu un colloque qui avait été organisé au Louvre par un de mes collègues qui se nomme Régis Michel et qui avait intitulé son colloque « David contre David ». Et en fait, pendant 5 jours, les historiens venus du monde entier
Et vous allez entendre bientôt, au mois de décembre, l'un d'entre eux, qui est Thomas Crowe. Donc, nous avons discuté, nous avons mis en avant nos interprétations souvent très différentes et nous nous sommes interrogés sur la portée politique de l'œuvre de David, sur sa situation financière aussi et surtout sur les dernières années de sa vie à Bruxelles. Par la suite, il y a beaucoup de tableaux qui ont été redécouverts et surtout le corpus complet de l'œuvre dessinée de David a été publié en 2002 par l'ancien directeur du musée du Louvre, qui était Pierre Rosenberg, et un de mes collègues historiens d'art, Louis-Antoine Prat. Autrement dit, je ne peux pas prétendre vous apporter une révélation sensationnelle. Mais mon propos et mon souhait, en fait, c'est que je voudrais vous faire partager mon admiration pour un artiste qui, vous allez le voir, est rempli de contradictions, qui a été critiqué et jalousé de son vivant, qui a été aimé et haï. Il a été républicain, un républicain exalté, mais il a donné à Napoléon sa foi sans réserve ni retour. C'est un génie qui a souvent été embrigadé et, paradoxalement, qui a retrouvé sa liberté dans l'exil. Quand on prononce le nom de David, c'est probablement au peintre de Napoléon que l'on pense en premier, au peintre qui a été chargé par l'empereur de fixer sur la toile son couronnement, qui avait été célébré le 2 décembre 1804 dans la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Et vous avez le grand tableau devant vous, que David a peint entre 1805 et 1807. Et quand je dis grand tableau, c'est un tableau qui fait plus de 9 mètres de long. Donc c'est un véritable panorama. Mais prononcer le nom de David, c'est aussi penser à des tableaux historiques sur lesquels je reviendrai, le serment des Horaces, les Sabines. Un portraitiste extrêmement riche. Et j'ai choisi de vous montrer deux portraits, un tableau et un dessin. Le portrait de Madame Juliette Récamier, que vous voyez à gauche, étendu sur son lit, qui est un tableau que David a peint en 1800, mais qu'il n'a pas terminé parce qu'il n'était pas d'accord avec son modèle, qui était une femme très séduisante, un peu capricieuse. Et à droite, la vision qu'il a laissée sur le papier de la reine de France, Marie-Antoinette, allant à l'échafaud le 16 octobre 1793. Et ces deux œuvres, en fait, vous font, à mon avis, plonger dans cet univers de David qui balance en quelque sorte entre la grâce, la perfection, donc le portrait de Juliette Récamier, et la cruauté du premier jet de l'impression spontanée devant Marie-Antoinette qui passe sous ses fenêtres et dont il restitue le profil avec énormément de dureté. On a reproché à David d'avoir figé l'élan de la peinture française à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un reproche qui lui a été adressé notamment par tous les romantiques et qui a perduré tout au long du XIXe et même au début du XXe siècle. En revanche, il n'a jamais été contesté. Tout le monde sait, en fait, qu'il a été le chef d'un atelier fréquenté par des jeunes artistes qui étaient venus de tous les coins d'Europe. Et vous avez devant vous donc deux vues de ces ateliers, un tableau de Léon Cochereau qui montre l'atelier de David au Louvre, ou plus exactement à partir du moment, je me trompe, quand David a été obligé de quitter le Louvre et s'est installé donc d'un atelier qui était au Collège des Quatre Nations, qui est maintenant notre institut, c'est-à-dire en face du Louvre, de l'autre côté de la Seine. Et à droite, un dessin qui nous montre alors de façon assez vivante, assez amusante, ce que pouvait être l'atelier de David en 1804. Donc là, c'est véritablement au Louvre.
Et vous avez dans le fond, de dos, en train de dessiner la petite silhouette avec le chapeau sur la tête, c'est David lui-même. Et autour de lui, ses élèves qui dessinent soit d'après le modèle vivant, soit d'après l'antique. Le modèle vivant, vous l'avez notamment... Attendez, je me trompe, pardon. Vous l'avez là et vous l'avez aussi sur le dessin de Cochereau et vous avez aussi des études d'après l'antique. Et il y aurait à peu près plus de 300 élèves qui auraient poussé la porte de l'atelier de David. Bon, prononcer le nom de David, c'est immédiatement aussi penser à la Révolution. Et c'est l'artiste qui est notamment célèbre pour avoir immortalisé la mort de Marat, assassiné par Charlotte Corday, et dont il a fait un tableau que je vais vous montrer, mais dont voici un dessin probablement fait presque peu de temps après l'assassinat de Marat. On sait que le corps de Marat avait été exposé au public et c'est probablement à ce moment-là que David a exécuté ce dessin qui est absolument saisissant. Il a... attendez, j'ai l'impression que j'ai oublié. Non, ben non. Je croyais que j'avais un tableau. Bon, excusez-moi. Il y a dans l'œuvre de David des moments qui me paraissent nécessaires de vous rappeler, les grandes étapes de sa carrière, parce que ça vous expliquera en fait pourquoi cette personnalité continue à interroger tout le monde. Je vous ai livré en vrac un petit peu mes premières approches. Je pense maintenant qu'il faut que je rentre dans le vif du sujet. Après vous avoir rappelé les dates importantes de la vie et de la carrière de David, j'ai essayé de vous proposer des sujets de recherche en vous montrant ce qui est absolument important dans l'œuvre de David, c'est-à-dire la liaison permanente entre l'histoire antique et l'histoire contemporaine. L'attirance de David pour le réalisme, on le verra plus particulièrement dans les portraits, et également sa recherche du beau idéal que l'on trouve notamment à travers ses dessins, la recherche, la perfection du style. Et puis je terminerai en essayant de vous convaincre que certaines des critiques que l'on a adressées à David, en fait, sont quand même excessives. Alors, plus rapidement, pour vous situer David, donc, il a commencé à travailler sous l'Ancien Régime, il poursuit sa carrière sous la Révolution, il la continue sous l'Empire et il la termine sous la Restauration, mais hors de France. Il est né le 30 août 1748 à Paris. Son père était un marchand mercier, sa mère appartenait à une famille d'entrepreneurs en bâtiment et d'architectes. Il était orphelin de père très tôt, donc il a été élevé par ses oncles. Et en fait, le début de sa carrière officielle comme jeune artiste est en 1766. Il devient, ce qui était essentiel, élève de l'Académie royale. Il y a tout un cursus qui était imposé aux jeunes élèves pour aboutir à la grande épreuve du prix de Rome, sans laquelle, si on ne passait pas cette épreuve et si on ne réussissait pas, on ne pouvait pas être... il n'y avait plus de carrière officielle, en fait. Et David va échouer à plusieurs reprises. Il va obtenir, finalement, le Grand Prix de Rome avec le tableau que vous avez sous les yeux, le médecin Erasistras, qui découvre la cause de la maladie d'Antiochus. Et il part... en 1775, à la fin de l'année, avec son maître, Vien, qui venait d'être nommé directeur de l'Académie de France à Rome. Et il va rester pratiquement 5 ans, de novembre 1775 à juillet 1780. L'Académie de France était installée à l'époque à Rome, au palais Mancini. David n'a pas beaucoup laissé de commentaires sur ses débuts, mais il a laissé un texte qui est une sorte d'autobiographie où il explique qu'en fait, quand il est parti de Paris, il était convaincu, il a dit, je cite, « L'antique ne me séduira pas. Il manque d'entrain et ne remue pas. » Et en fait, à partir du moment où il est arrivé, les différentes étapes avant d'arriver à Rome, il s'est rendu compte qu'il s'était complètement trompé. Et pour corriger, en fait, ce qu'il estimait être ses mauvais instincts,
Il va dessiner, et il va dessiner pendant 5 ans. Et vous avez sous les yeux 2 feuilles de grands albums dans lesquels il avait collé certains dessins, avec, donc, j'ai choisi pour vous une feuille qui regroupe 4 études d'après une statue antique, et plus intéressant, plus séduisant, 4 paysages dessinés quand il se promenait dans Rome, avec, dans certains cas, 2 vues superposées et dans d'autres cas, au contraire, des vues plus panoramiques, qui nous montrent son intérêt pour l'architecture, qu'on va retrouver dans ses grands tableaux d'histoire, et un certain intérêt pour la lumière. Alors, évidemment, il ne se sert pas d'aquarelle. David bannit la couleur définitivement, mais par les oppositions du lavis-gris plus ou moins contrasté, il arrive à restituer, si vous voulez, les moments où Rome est en pleine lumière. Donc, il faut se souvenir qu'il revient avec des milliers de dessins et qu'il va aussi suivre ce qui était de la règle pour les pensionnaires de l'Académie, c'est-à-dire qu'ils devaient montrer ce dont ils étaient capables en travaillant d'après le modèle ou d'après les maîtres, et surtout de faire une œuvre d'invention. Et l'œuvre d'invention, la voici. C'est un tableau qui est conservé à Dublin, à la National Gallery of Ireland, qui est une esquisse, en fait, qui fait un peu plus de 2 mètres, et qui est vraiment le point de départ de cette sorte d'affranchissement de la tradition du XVIIIe siècle. Donc, sujet tiré de l'histoire, enfin de l'Iliade d'Homère, et un tableau qui a été exposé dans les salles de l'Académie de France à Rome, ensuite qui a été envoyé à Paris. Et même si les académiciens ont reproché à David d'avoir emprunté des motifs à droite, à gauche, et de ne pas avoir encore complètement organisé sa composition, ce tableau, quand même, a été reconnu comme valable. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la carrière de David a bien débuté. D'autant plus que David a été choisi par son maître pour peindre un tableau qui avait été commandé par le bureau de santé de la ville de Marseille en 1779. C'était quelquefois la tradition. Les pensionnaires qui étaient considérés comme les plus doués se voyaient obtenir des commandes. Et David, donc, va peindre ce tableau qui est à Marseille, au Musée des Beaux-Arts, et qui est un tableau qui va d'abord être exposé à l'Académie de France et ensuite exposé à Paris en 1781. Et que ce soit à Rome ou que ce soit à Paris, le public qui a vu ce tableau, les artistes aussi, ont été extrêmement impressionnés par la nouveauté, non pas de la composition, mais surtout par le premier plan. Nous sommes en 1780. La peinture d'histoire est encore assez marquée par la recherche plutôt de la grâce. Et David, au fond, impose un style nouveau. Et ce que remarque, en fait, le public qui découvre le tableau, c'est un artiste qui n'hésite pas à représenter de la façon la plus réaliste le pestiféré, au premier plan, avec un regard assez halluciné, et les autres personnages derrière. Et la partie supérieure du tableau est plus conforme à la tradition de la peinture italienne. Mais il y a un autre tableau qui va montrer aussi les capacités de David dans un autre domaine, celui du portrait. C'est celui que vous voyez maintenant et qui est conservé à Varsovie, au Musée national, qui est un tableau très important, qui fait 3 mètres de hauteur, donc c'est tout de même, c'est un immense portrait de nature, et c'est le portrait d'un noble polonais que David avait rencontré à Rome. Le comte Potocki était un amateur d'art, il était très fortuné, il faisait ce qu'on appelait à l'époque le grand tour, et il a demandé son portrait à David, qui a réalisé ce chef-d'œuvre,
qui reprend évidemment la grande tradition des portraits équestres du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais avec des audaces de couleurs, notamment ces tons de jaune, de bleu, les ors étincelants, un superbe cheval et le détail un peu étonnant là, de ce chien dont on ne voit que la gueule ouverte et sur le collier duquel David a posé sa signature. En 1780, David rentre à Paris. Il va être reçu à l'unanimité à l'Académie de peinture. Donc on peut dire véritablement qu'à partir de ce moment-là, il est reconnu comme un artiste à part entière. Et le tableau qui est son morceau de réception à l'Académie, vous le voyez en ce moment, c'est ce tableau qui est au musée de Lille et qui représente un sujet donc, tiré de l'histoire romaine. Qui est le Pélisère qui implore l'aumône. Et c'est la première fois, en fait, que les visiteurs peuvent découvrir un tableau, d'abord d'un format un peu particulier. Il est carré et avec un nombre très restreint de figures et une composition qui est centrée sur ce groupe très émouvant de la jeune noble qui s'approche du général aveugle qui tend les mains, qui n'a plus que ça pour vivre et qui est donc accompagné par un jeune enfant qui tient le casque ouvert pour qu'elle dépose son aumône. Il y avait à l'époque un roman de l'écrivain et historien Marmontel qui s'intitulait Bélisère et qui a été l'inspiration première de David et de beaucoup d'artistes. Mais David, comme chaque fois qu'il s'inspire d'une source littéraire ou antique, en fait, modifie un petit peu le contexte général. Bon, j'avance un petit peu plus vite. Il va se marier en 1782. Il aura 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, 2 jumelles. Et en 1783, nouvelle étape extrêmement importante, il est reçu à l'Académie de peinture. Avec un tableau dont le sujet, cette fois-ci, est encore emprunté à l'Iliade d'Homère, et qui est un tableau qui est conçu un petit peu comme une sorte de Pietà, mais de Pietà évidemment antiquisante, et qui représente donc la douleur d'Andromaque et les regrets d'Andromaque sur les corps d'Hector, son mari, avec le jeune Astyanax qui essaie d'adoucir la douleur de sa mère. Et c'est un tableau dont la composition générale reprend peut-être les œuvres de Poussin que David admirait beaucoup, qui est le grand peintre d'histoire du XVIIe siècle, mais avec une composition qui est encore plus rigoureuse. Et en fait, à partir de cette année, David va resserrer l'organisation de ses compositions et surtout adopter ce que vous voyez dans le fond, c'est-à-dire une architecture extrêmement austère qui sert en quelque sorte de repoussoir pour attirer l'œil sur cette sorte de piéta, je dis donc antiquisante, qui est le motif principal du tableau, avec, comme chaque fois, évidemment, un arrière-plan, une intention de morale qui va s'intensifier par la suite. 1785, 84-85, David se rend de nouveau à Rome. Il va peindre le tableau qui lui a été commandé par le roi Louis XVI et qui est le Serment des Horaces, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais je voulais simplement attirer votre attention une seconde aussi sur l'enrichissement de la composition, l'élargissement dans l'espace et une maîtrise beaucoup plus grande justement du décor architectural qui véritablement est là pour mettre en valeur donc le groupe des hommes avec ce geste du serment que l'on va retrouver dans tous les tableaux de David par la suite et puis le groupe des femmes qui sont librement inspirées des bas-reliefs antiques. 1789, au Salon, David expose ces deux tableaux qui sont tous les deux inspirés de l'histoire antique, mais qui vous montrent que David peut interpréter de façon très différente des sources équivalentes. D'un côté, vous avez les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, je reviendrai sur ce tableau,
qui est un tableau extrêmement dramatique, puisque le sujet, c'est Brutus qui a été obligé de faire condamner à mort ses fils parce qu'ils ont conspiré contre la République. Et de l'autre côté, un tableau contraire fait de grâce, d'hymne à l'amour et à la beauté, les amours de Paris et Hélène. Et donc, vous voyez, même inspiration générale, mais même traduction complètement différente. Alors, sous la Révolution, David a été extrêmement actif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, je pense que nous serions encore là demain matin. Mais je voulais simplement vous rappeler, en fait, qu'il a fait partie, évidemment, de ceux qui ont voté la mort de Louis XVI. Et il l'a fait, certainement, sans aucun état d'âme. Sa carrière d'homme politique, elle gravit, j'allais dire, des échelons. Il va être député à la Convention nationale. Il va être membre du comité d'instruction publique. Il va surtout, l'apogée de sa carrière politique, c'est en 1793, le 14 septembre. Il est nommé membre du comité de sûreté générale, c'est-à-dire, au fond, celui qui va orienter tous les grands procès de l'époque. Mais il intervient assez rarement dans les discussions. En revanche, c'est le grand organisateur des fêtes révolutionnaires. Bon, le 5 janvier 1794, il est élu président de la Convention nationale, mais quelques mois plus tard, après la chute de Robespierre, il est arrêté. Il est emprisonné d'abord à l'hôtel des Fermes rue de Grenelle-Saint-Honoré, puis au Luxembourg. Et au Luxembourg, parce que c'est David et qu'il a, même s'il est menacé de mort, c'est tout de même l'homme, enfin le peintre de la Révolution, donc il peut se faire apporter des pinceaux, du papier, des dessins et même de la toile. Et il va donc travailler en prison, un peu pour oublier la menace qui est sur sa tête, et il va réfléchir à un projet de tableau qu'il n'a pas réalisé, mais qui est intéressant par le sujet, puisque c'est Homère récitant ses vers aux Grecs, Homère aveugle, donc le poète isolé, marginalisé, indépendant, donc c'est un peu, si vous voulez, une sorte de transfert de sa propre situation. Et puis, il va surtout peindre cet admirable petit paysage, qui est le seul paysage peint que nous connaissons de David, qui est la vue du jardin du Luxembourg qu'il avait de sa prison, et qui nous permet immédiatement de comprendre qu'il est resté envers et contre tout très proche de la nature qu'il avait commencé à connaître quand il était en Italie. Il va de nouveau être incarcéré en 1715, il va être définitivement amnistié et nouveau départ en quelque sorte. Il est nommé membre de l'Institut en 1795. Et nous entrons dans la grande période, j'allais dire, napoléonienne, qui est donc centrée sur le personnage du premier consul, qui deviendra ensuite l'empereur Napoléon, qui est pour David, en fait, son héros. Et il a eu la chance de pouvoir, une seconde, capter le premier consul, toujours très, très pressé, et de commencer à brosser de Bonaparte ce très beau portrait qui n'a jamais terminé, mais qui nous permet une fois de plus de comprendre que lorsque David était en communion avec son modèle, évidemment, le résultat était splendide. Il a immortalisé à plusieurs reprises les grands faits de Bonaparte pendant la guerre d'Italie. Et le tableau que vous avez à droite, là, Bonaparte au Grand Saint-Bernard, qu'il a peint en 1801, c'est le tableau, la version originale, qui avait été commandée, et je pense que ça vous intéressera, par le roi Charles IV d'Espagne. Donc c'est le premier lien, il n'y a pas beaucoup, mais entre David et l'Espagne, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris. Et David, donc, a représenté Bonaparte au Grand Saint-Bernard. Et c'est une image qui est devenue ensuite un peu le symbole de la transfiguration, en quelque sorte, d'un général, pourrait-on dire, ordinaire, en une sorte d'allégorie de l'héroïsme. Il est ensuite nommé premier peintre de l'empereur. Il a eu quelques difficultés, d'ailleurs, à ce moment-là.
Mais il est donc chargé de grands tableaux et je vous montre ici un tableau qui est assez amusant parce qu'en fait, c'est un tableau qui a été peint par Louis-Léopold Boilly, qui est célèbre pour tous ces tableaux qui sont un petit peu comme des reportages au fond des grands moments de la vie parisienne et qui est un tableau qui est devenu très très célèbre parce que Boilly représente tous les visiteurs, comme maintenant au Louvre, qui se trouvent devant le tableau de David et qui discutent, qui commentent, qui essaient de retrouver, d'identifier les personnages. Et il y a une sorte de, presque, comme si vous voulez, le public rentrait complètement dans le tableau. Et ceci nous rappelle que la présentation donc, de ce grand tableau du couronnement au Louvre a suscité énormément de curiosité et qu'à partir de ce moment-là, on pourrait croire que David finirait sa carrière de façon tout à fait honorable. Cela étant, vous savez que ça ne s'est pas fait de cette manière. Napoléon va être obligé d'abdiquer. Il s'enfuit, il s'exile, enfin, il se retire dans l'île d'Elbe, mais il est revenu. Et quand Napoléon est revenu en France, David fait partie des artistes, des écrivains, des personnalités importantes qui ont voulu manifester leur fidélité à l'empereur. Il va signer donc l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Napoléon sera définitivement vaincu, David va être obligé de quitter Paris parce qu'il a non seulement à cause de sa fidélité à l'empereur, mais aussi parce qu'il a voté, et Louis XVIII ne peut pas l'oublier, la mort de Louis XVI. Et donc, David quitte définitivement la France, il n'y reviendra pas puisqu'il meurt à Bruxelles. Et curieusement, et c'est aussi, à mon avis, un témoignage au fond de cette personnalité pleine de contradictions, il quitte donc ce qu'il aime le plus, il quitte sa ville natale, il quitte ses amis, il est vraiment proscrit. Et en même temps, il écrit à un de ses élèves, Gros, à qui il avait confié la direction de son atelier. Il lui dit, et je pense qu'il était vraiment sincère, qu'il n'a jamais été plus heureux et qu'il travaille comme s'il n'avait que 30 ans. Et à Bruxelles, David va exécuter de très nombreux portraits. Voici un exemple, le portrait des filles de Joseph Bonaparte, qui, elle aussi, était en exil à Bruxelles. C'est un très beau tableau qui est, vous voyez, conservé au musée Getty à Malibu et qui vous permet, au passage, de comprendre où je viens. J'en viendrai tout à l'heure pour vous parler de la somptuosité des coloris de David. Et les trois dernières années en fait, de son séjour à Bruxelles sont concentrées sur ce tableau, qui est évidemment un tableau un peu difficile peut-être à apprécier de nos jours, mais qui avait été extrêmement apprécié à Bruxelles en 1824. Donc là, on est de nouveau, vous voyez, complètement dans l'Antiquité. C'est un retour en arrière. David, au fond, c'est une sorte de boucle. Il a commencé en s'inspirant de l'Antiquité et finalement, il revient en se ressourçant dans une Antiquité qu'il interprète différemment. Et alors, le tableau a été d'abord exposé à Bruxelles et ensuite il a été exposé à Paris dans une salle particulière. Il faut imaginer le tableau accroché derrière des drapeaux, des rideaux verts. Et les visiteurs qui pouvaient voir ce tableau rue de Richelieu, s'ils allaient ensuite au Louvre où il y avait l'ouverture du salon officiel de 1824, pouvaient effectivement se demander quel était l'avenir de la peinture française, puisqu'après avoir vu le tableau de David, ils découvraient entre autres ce célébrissime tableau de Delacroix qui représente les scènes des massacres de Sceaux et qui est le tableau qui est en quelque sorte le point de départ de ce qu'on a appelé la Grande Révolution romantique. 1825, David meurt à Bruxelles. Le roi Charles X ayant refusé que son corps soit rapatrié à Paris, le corps de David est toujours à Bruxelles, mais son cœur, embaumé, repose à Paris au cimetière du Père-Lachaise. Et j'en viens maintenant à la seconde partie de mon propos, c'est-à-dire je voulais essayer de vous montrer cette sorte de, pas de valse, mais disons d'alternance
permanente dans l'œuvre de David entre l'histoire antique et l'histoire contemporaine. Et ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en fait, dans les tableaux qu'il a peints entre 1780 et 1790, qu'on le veuille ou non, en fait, c'est tout de même, ce sont des œuvres dans lesquelles David nous conduit à éprouver les plus profondes émotions, non seulement parce qu'il nous offre la connaissance des faits en essayant de les illustrer de façon convaincante et dramatique, mais aussi parce que dans chacun de ces tableaux, il va au bout de l'émotion et de la tension qui résulte du sujet qui est proposé. Et je vais vous montrer Brutus qui condamne à mort ses propres enfants, je vais vous montrer Socrate qui recourt au suicide, les Horaces qui s'apprêtent à tuer les frères de leurs époux. Chaque fois, en fait, ce sont des tableaux dans lesquels David veut exprimer ce qui est l'essentiel de sa démarche, c'est-à-dire l'exaltation des vertus du stoïcisme, le devoir envers la société, et tout ceci dans des compositions qui sont extrêmement claires, qui sont linéaires. Vous le voyez bien là sur le tableau du serment des Horaces, les personnages qui sont alignés véritablement presque de façon géométrique. Et surtout, les scènes qui nous font entrer dans le tableau sans problème, parce que c'est comme si, au fond, David avait utilisé un appareil de photographie. Il fait une sorte de gros plan sur les personnages principaux. Et cette recherche particulière, cette volonté de s'appuyer toujours sur le drame pour faire remuer en nous ce qu'il y a de plus noble, c'est ce que les historiens du XXe siècle ont défini, et je cite, parce que le terme n'est pas de moi, comme la sacralisation de l'exemplum virtutis. Et c'est la grande révolution, si vous voulez, amenée par David. C'est-à-dire que c'est effectivement le rejet de tout ce qui était grâce, volupté, érotisme, pourrait-on dire galanterie, pour recourir à ce qu'il y a de plus noble et ce qui avait été exprimé par l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on étudie ces tableaux et leurs sources, on s'aperçoit, et c'est à mon avis encore, si vous voulez, le témoignage de la complexité de la pensée de David, c'est que David n'a pas choisi soit Rome, soit la Grèce. En fait, il est tout le temps à mi-chemin entre le Rome et la Grèce, avec peut-être un net penchant pour la Grèce. Alors, le pôle romain que vous avez ici avec le serment des Horaces, c'est le plus noble. C'est le devoir envers l'État, avec la réminiscence des tragédies de Corneille. C'est les compositions où vous avez cette sorte d'affrontement entre les émotions contenues et au contraire l'exaltation du sentiment public. Et puis le pôle grec est toujours en général plus léger et plus gracieux. Si on regarde ces tableaux, ce dont on s'aperçoit, et je pense que le serment des Horaces vous le montre très clairement, c'est qu'en fait, il y a une recherche nouvelle sur le plan du style, que vous avez des compositions qui sont de plus en plus graves, qui sont plus sévères, avec une composition qui, se géométrise, se concentre sur de groupements de figures qui s'opposent. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, du jour au lendemain. Et je voulais vous montrer, par exemple, à propos du serment des Horaces, David n'a pas choisi le thème du serment tout de suite. Au début, il avait choisi d'évoquer un autre sujet, qui était le moment où Horace, qui est revenu victorieux de Rome, qui a été acclamé avec les honneurs, mais qui, au passage, a tué sa sœur Camille, et finalement condamné à mort parce qu'il a tué sa sœur, même s'il a sauvé Rome. Et il est défendu par son père. C'était le premier sujet qu'il avait envisagé, qu'il n'a pas réalisé. Et en se tournant vers le thème du serment, il arrivait à une composition, finalement, qui était beaucoup plus sobre et, de ce fait, beaucoup plus importante quant à l'exaltation du patriotisme. N'oubliez pas, nous sommes en 1785, les idées des philosophes commencent à faire leur chemin et David n'y est pas insensible. Si nous regardons la mort de Socrate,
C'est également un tableau qui est particulièrement important parce que c'est aussi un tableau qui est une sorte de, au fond, d'apologie de la, du stoïcisme. Bon, le tableau est, vous voyez, conservé à New York au Metropolitan Museum. Et c'est un tableau qui avait été commandé à David par un aristocrate ouvert justement aux idéaux des Lumières et que David d'ailleurs reconnaissait bien. Bon, le sujet, on le connaît, donc Socrate est accusé de corrompre la jeunesse athénienne et donc il est condamné à boire la ciguë. Et David, en fait, a condensé sur sa toile deux moments qui sont pas simultané dans le récit de Platon, et comme dans le serment des Horaces, ce qui est important, évidemment, c'est l'organisation des gestes au centre même de la composition, avec la main droite de Socrate tendue vers la coupe et la main gauche en suspens qui désigne le ciel de façon à réconforter ses disciples qui sont déjà dans la douleur la plus totale. Et comme dans le serment des Horaces, une composition en frise, avec une référence délibérée aux modèles antiques et un mur avec cette remarquable ouverture au fond à gauche qui donne un tout petit peu d'aération à la composition. Et ce tableau est encore une fois un manifeste esthétique, philosophique et moral. Si vous regardez, les lecteurs apportent à Brutus les cœurs de ses fils. C'est également aussi une démarche assez voisine. La différence étant, si je reviens une seconde à la mort de Socrate, où la composition, en fait, l'unité de la composition vient aussi de la lumière, qui est extrêmement équilibrée. En revanche, dans le tableau de Brutus, il y a une opposition volontaire, en fait, entre la partie d'ombre où se trouve Brutus, qui est dans l'ombre, qui est mise à l'écart en quelque sorte, parce que la décision qu'il a prise est même tout à fait anormale, et contre nature, et au contraire, cette sorte d'éclairage délibéré sous le groupe des femmes, avec cette sorte d'allégorie de la douleur que David s'est souvent plu à composer. À partir du moment où David s'engage dans le processus révolutionnaire, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes les préoccupations qu'il avait conduites jusqu'après là étaient complètement... il les met de côté provisoirement, c'est-à-dire qu'il n'est plus question, pendant la Révolution, d'exalter les vertus antiques face à cette société que l'on considérait comme corrompue, mais tout est mis en œuvre pour célébrer l'ère nouvelle. Il avait imaginé, ou plus exactement, on lui avait demandé, et le tableau n'a pas été réalisé, il devait donc faire une sorte d'un tableau qui était en quelque sorte chargé de symboles, montrant le roi Louis XVI donnant la constitution au dauphin. Et dans un carnet de croquis qui est au musée du Louvre, il y a des croquis comme celui-ci qui nous montrent donc la première idée du tableau qui aurait été en quelque sorte... en même temps, une insistance sur le rôle de Louis XVI, qui ensuite va être complètement écarté, évidemment, de la scène politique. Et finalement, et c'est ce qui me paraît extrêmement significatif, et j'en reviens toujours à mon alternance, à ce passage, finalement, qui se fait presque naturellement de la réalité à l'allégorie, c'est que finalement, si le tableau avait été réalisé, David n'aurait pas représenté le roi Louis XVI. Le roi Louis XVI est déjà à la limite sorti de l'histoire et il se tournait vers une sorte de composition allégorique avec ce que l'on a interprété comme étant la figure du peuple qui avance donc vers la liberté en portant sur ses épaules deux petites figures qui auraient symbolisé la liberté et la constitution. Et si ce tableau avait été réalisé, évidemment, David aurait définitivement signé son engagement politique. Bon, il l'a signé, bien évidemment, et de façon très, très fracassante, avec ces deux tableaux qui sont extrêmement célèbres, qui représentent l'un la mort du jeune Bara et l'autre Mara assassiné, une fois encore, qui sont des tableaux donc dont le sujet est pris directement dans l'histoire contemporaine. Le jeune Bara avait été assassiné
par les Chouans. Donc c'est un épisode de l'avancée des armées républicaines en Vendée. Et en fait, son geste héroïque, c'était un jeune garçon qui avait refusé de donner aux Chouans les chevaux qu'il gardait. Il a été donc assassiné par les Chouans. Et il y a toute une série de gravures populaires qui ont donc immortalisé la scène où on voit le jeune garçon serrant les brides des deux chevaux et refusant de les donner au péril de sa vie. Et David a transposé ce qui aurait pu être une relation complètement anecdotique et pittoresque, en laissant apparaître, en transformant donc le jeune garçon en une sorte d'éphèbe atemporel. C'est comme une sorte d'ex-voto, si vous voulez. Il gît sur le sol, sur un fond extrêmement vibrant. Et bon, je me hasarderais à dire que bon, on pourrait aller regarder les tableaux de Goya et on trouverait aussi de temps en temps dans certains tableaux de Goya ces variations extraordinaires des fonds qui font vibrer le sujet principal. Et puis de l'autre côté, Marat assassiné, ce tableau célébrissime entre tous, plus d'ailleurs à juste titre que le Barat, qui a un côté un tout petit peu équivoque, pourrait-on dire, m'a assassiné, que certains historiens ont considéré comme une piéta jacobine, et sur lequel je reviendrai en terminant mon propos. Le tableau des Sabines. Le tableau des Sabines, David y a songé quand il était en prison en 1794, c'est-à-dire au moment où il a peint le petit paysage que je vous ai montré, là, la vue du Luxembourg. David pense aussi à ce sujet des Sabines qu'il ne va terminer finalement qu'en 1799 et qui représente les Sabines qui font irruption entre les Romains que vous voyez à droite et les Sabins à gauche, qui sont en train de s'entre-égorger pour garder le pouvoir, et les Sabines font irruption pour arrêter ce combat, puisque c'est un combat fratricide entre les frères et les beaux-frères, les maris de leurs enfants. Et ce tableau donc a été peint à la fois, c'est le recours à l'allégorie antique pour essayer de... C'est une incitation, et ça a été compris comme tel, une incitation à la réconciliation entre les Français. Nous sommes en 1799, la Révolution est terminée, mais la France est exsangue. Et David a recours à l'Antiquité pour essayer de trouver le sujet propre à une sorte de consensus national. Et en même temps, c'est un des tableaux, et j'y reviendrai, dans lesquels il a essayé aussi de montrer que la beauté idéale, en fait, était le seul langage possible pour faire passer ses sentiments. Deux tableaux dont la genèse s'entrecroise complètement. Vous avez à gauche Léonidas aux Thermopyles, à droite, vous voyez, le serment de l'armée après la distribution des aigles. Et quand je dis que ces deux tableaux ont été travaillés en même temps, je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'après avoir peint les Sabines, David pensait peindre Léonidas aux Thermopyles, qui était en quelque sorte le pendant grec des Sabines. Mais l'empereur en a décidé autrement. Et David avait déjà avancé le tableau de Léonidas quand l'empereur lui a ordonné d'arrêter son travail et lui a commandé ce tableau, qui est au musée de Versailles, qui est un tableau gigantesque, qui fait aussi plus de 9 mètres, et qui représente un moment auquel l'empereur tenait par-dessus tout. C'était une cérémonie qui avait eu lieu le 5 décembre 1804. Les corps de toutes les armées de l'Empire, les gardes nationales, recevaient donc les grands honneurs de l'Empire, donc les aigles, les décorations, mais en même temps prêtaient serment de fidélité à l'empereur. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce que je voulais simplement vous indiquer au passage, c'est qu'au moment où David, si vous voulez, a été obligé d'abandonner l'histoire de Léonidas pour se concentrer sur la distribution des aigles, il s'est servi des mêmes études dessinées.
Et dans les carnets que nous avons au Louvre ou dans des dessins qui se trouvent dans d'autres musées, c'est très intéressant de voir qu'il travaille donc sa figure de l'homme qui prête serment, nu, bien entendu, avec une recherche de mise en valeur de l'anatomie. Et dans certains cas, le modèle qui est nu a quand même un petit détail qui nous indique que nous sommes plutôt dans l'histoire contemporaine, puisqu'il tient une sorte de tricorne, et alors que l'homme nu que vous avez à droite, en fait, on le retrouve plus ou moins dans les premières recherches pour Léonidas au Thermopyles. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, en reprenant ce thème du serment, qu'il a décliné de toutes les façons, David, en fait, revient évidemment d'une part au serment des Horaces, mais surtout évidemment au serment des révolutionnaires qui juraient donc de mourir pour la patrie. J'en arrive maintenant à un autre point que je voulais voir avec vous, qui était cette part de réalisme et cette recherche permanente de beauté idéale. Et si vous me permettez, j'ai emprunté à Eugène Delacroix la plus belle des définitions en ce qui concerne la peinture de David. C'est une réflexion que Delacroix fait sur David vers la fin de sa vie en 1860 dans son journal. Et Delacroix a eu cette formule que nous avons tous repris depuis. David est un composé singulier de réalisme et d'idéal. Et Delacroix reconnaît en fait que, qu'on le veuille ou non, David est le père de toute l'école moderne en peinture et en sculpture. J'arrête là ma citation. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que le jugement d'un des plus grands peintres vis-à-vis d'un autre très grand peintre de l'école française est quand même extrêmement significatif. La part de réalisme, bon, bien évidemment, vous le regardez, vous le trouvez dans les portraits. Bon, j'ai fait un choix qui est totalement subjectif. Je m'en excuse, mais j'espère que vous suivrez. J'ai choisi d'abord ce portrait, cet immense portrait qui est à New York, qui est un tableau qui représente le portrait de Lavoisier, qui était connu pour ses études de chimie, qui avait fait un traité élémentaire de chimie, et qui était connu pour ses études diverses sur l'oxygène, le mécanisme de la combustion, etc., et qui était aidé dans ses travaux par sa femme, que David a représentée dans une pose très élégante à côté de son mari. Bon, le tableau est grand, hein. C'est un tableau qui fait 2,86 m de haut, donc c'est tout de même un tableau extrêmement monumental. Et quand on voit le tableau, l'œil, et je vous montrerai un détail tout à l'heure, est évidemment attiré. Je pense que l'œil part de la jambe extrêmement élégante de Lavoisier qui nous dirige vers la silhouette extrêmement séduisante de sa femme. C'est à la fois un hymne à la félicité conjugale et c'est en même temps un portrait qui est à la fois solennel, qui est le respect dû au génie inventif. Et puis à l'opposé, vous avez alors dans les portraits, je dirais plus intimistes, le beau-frère de David, Pierre Sérisia, et sa femme, Émilie, avec son fils. Ce sont deux tableaux qui sont au musée du Louvre et qui, eux, sont véritablement une sorte d'hymne, au contraire, à la bourgeoisie, à la simplicité. Ce sont deux tableaux que David a peints quand il était en quelque sorte en sursis, en liberté conditionnelle. Il s'était réfugié, c'est son beau-frère qui était avocat et qui assurait sa défense. Et ce sont des tableaux qui sont particulièrement remarquables, à la fois par le côté très abouti de la facture et en même temps la très grande tendresse, une très grande simplicité. Tout est calculé, mais rien, en fait, ne permet de supposer que David a travaillé un certain temps à ces tableaux. Et dans un tout autre domaine, j'en arrive à des tableaux alors plus tardifs. Bon, le grand portrait, j'allais dire officiel, le portrait donc d'un couple très amoureux, et puis les portraits des amis de David
ceux dont il partageait les idées pendant la Révolution. Et le plus beau de ces portraits, à mon avis, je ne suis pas la seule à avoir cet avis, c'est celui que vous avez à gauche, là, le portrait de Seyès, qui est un des chefs-d'œuvre du Fogart Museum de Cambridge, un tableau qu'il a peint à Bruxelles en 1817. Bon, Seyès était, lui aussi partageait les idées de David, il a voté la mort du roi, il a été un des acteurs de la Constituante et en fait il s'est éloigné donc, pour ses engagements politiques comme David à Bruxelles et les deux hommes se sont retrouvés et David a fait cet admirable portrait qui est, je crois, incontestablement des portraits masculins des dernières années de David, le plus puissant, le plus impressionnant par la sobriété de sa composition, puisque vous avez cet homme qui est simplement vêtu de noir. Sa seule décoration, c'est un mouchoir à carreaux rouges et la tabatière qu'il tient dans la main. Et sur un fond qui est légèrement plus clair à droite qu'à gauche. Mais quand on voit le portrait, je pense que ce qui attire tout de suite le regard, c'est le visage. Extrêmement réaliste, extrêmement émouvant de cet homme qui a été chargé d'honneur, qui était un homme sévère, qui n'a jamais renié ses idées et qui se trouve à la fin de sa vie tout de même un peu isolé. Et bon, je me suis permis de faire ce rapprochement avec ce portrait de Don Gaspar Melchior Jovellanos de Goya. C'était non pas pour la mise en situation. Le portrait de Goya est plus chargé de détails, mais c'était simplement l'expression, si vous voulez, de la mélancolie de ces hommes qui étaient des hommes, j'allais dire, un peu à part et qui, pour différentes raisons, à un certain moment de leur vie, se trouvent un petit peu mis à l'écart de la société. Alors, évidemment, dans le domaine des portraits, donc dans cette utilisation de une sorte de transfiguration du réel, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, bon, bien évidemment, c'est le Marat assassiné que vous voyez maintenant. Et à propos de ce tableau, je me retire complètement et je vais m'abriter derrière Charles Baudelaire, à qui l'on doit l'un des plus beaux morceaux de littérature. Bon, Baudelaire, poète, mais également critique d'art, et on l'oublie quelquefois. Baudelaire a découvert le Marat de David en 1846. Et Baudelaire, qui déjà à cette époque était quand même un admirateur inconditionnel de Delacroix, écrit ceci, et je me permets de citer, en essayant d'aller un peu vite pour ne pas vous garder trop longtemps, mais c'est tout de même un des plus beaux morceaux de la littérature. Voici ce qu'écrit Baudelaire. J'ai pris le passage le plus important. Le drame est là, vivant en sa toute lamentable horreur. Et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef-d'œuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce poème inaccoutumé, c'est qu'il est peint avec une rapidité extrême. Et quand on songe à la beauté du dessin, il y a là de quoi confondre l'esprit. Ceci est le pain des forts et le triomphe du spiritualisme. Cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. Quelle était donc cette laideur que la Sainte Mort a si vite effacée du bout de son aile ? Marat peut désormais défier l'Apollon. La mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses et il repose dans le calme de sa métamorphose. Et la dernière phrase que je cite, « Il y a dans cette œuvre quelque chose de tendre et de poignant à la fois, dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide et funèbre baignoire, une âme voltige. » Et en fait, l'âme de Marat, lorsque les Parisiens ont découvert le tableau, vraisemblablement, ils ont éprouvé, mais de façon différente et pour d'autres raisons, le même choc que celui éprouvé par Baudelaire quand il a vu le tableau en 1846. Et sans rentrer dans le détail de cette composition qui est en fait tout de même extrêmement et très savamment construite, là où Baudelaire a absolument raison, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, bon,
le sentiment éprouvé par David, enfin le message, pardon, que David voulait transmettre, vous l'avez là. Ce simple cube qui servait à Mara d'écritoire, où vous avez donc cette petite lettre comme un papillon qui est posé sur le rebord de cette sorte de stèle, en fait, comme une sorte de stèle funéraire. Et la plus belle des dédicaces qui se passe de commentaires, parce qu'elle se résume en trois mots. Donc, il n'avait pas besoin de faire tout un roman pour que David rende hommage à Mara par son tableau. C'est tout simplement la dédicace, comme quoi, au fond, moins on parle, mieux c'est. Apa Amara David. Et c'est en cela, si vous voulez, que ce tableau a été immédiatement immortalisé et passé à la postérité tout de suite. Réalisme, mais en même temps, et peut-être plus difficile pour un œil contemporain à comprendre, cette recherche de perfection du style. Et David a insisté, peut-être parce qu'il sentait au fond que son auditoire ou que le public ne le suivait pas dans cette démarche. Il a, notamment quand il travaillait au tableau des Sabines, et ensuite il est revenu sur cette idée quand il a travaillé à Olindas au Thermopyle. C'est pour ça que je vous montre deux dessins, deux détails. Vous avez à gauche le détail donc de Romulus, héros romain arrogant et fier de sa puissance, et à droite Léonidas, le héros spartiate, qui s'apprête donc à sacrifier sa vie pour sauver sa patrie. Et ce que David essayait de montrer, et il l'a écrit et réécrit à maintes reprises, c'est qu'en fait la recherche du style, finalement, c'est en se fiant au modèle grec. Je veux faire du grec pur. Je me nourris les yeux de statues antiques, à l'intention même d'en imiter quelques-unes. Et dans cette recherche, en fait, de la beauté la plus formelle et la plus générale, n'oubliez jamais, parce que c'est aussi ce qu'on, quelquefois, on perd de vue, c'est que tout passe par le dessin. Et si je vous montre cette esquisse totalement inachevée qui se trouve à Versailles et qui est l'esquisse pour cette grande composition qui n'a pas été terminée et qui devait immortaliser le serment des députés des tiers-états dans la salle du jeu de paume, c'est parce que c'est une esquisse qui fait plus de 6 mètres de long. Elle restait inachevée, c'est dommage, mais l'histoire a été trop vite et David ne pouvait pas suivre. Mais pour nous, c'est, si vous voulez, le témoignage, à mon avis, le plus simple à comprendre. David commence, parce que c'était la tradition à l'époque, toutes les silhouettes sont silhouettées, sont dessinées à la pointe du pinceau. D'abord, d'ailleurs, au crayon. Donc, plus exactement, au départ, la toile est préparée. Ensuite, il commence à dessiner au crayon. Il repasse une légère couche. Il repeint par-dessus. Et après avoir dessiné, s'il avait terminé son tableau, tous les personnages qui sont sur la composition, et ils étaient à peu près plus d'une centaine, auraient été travaillés de la même manière, en passant toujours par l'étude la plus fidèle de l'anatomie, parce que le dessin est le moyen absolument mais indispensable pour arriver, en éliminant au fur et à mesure les détails jugés un peu vulgaires, pour arriver à la beauté formelle. Et c'est la raison pour laquelle je vous montre deux dessins à l'appui de ma démonstration. C'est qu'en fait, vous avez ici justement une étude pour un des personnages de la distribution des aigles. Et ce dessin est particulièrement intéressant parce que là, en fait, vous voyez, David avait commencé par esquisser le corps de son modèle nu, et après, il revient dessus en commençant à dessiner, dans tous les grands détails, le costume de ce grenadier. Et il avait travaillé de la même manière dès le début, par exemple pour le serment des Horaces. Il y a toute une série de dessins admirables qui sont uniquement des études de drapé. Et sous le drapé, on distingue l'anatomie du modèle, qu'il soit masculin ou féminin. Et ensuite, après, David prend le temps d'arriver à retrouver la perfection des draperies des sculptures antiques qu'il avait eu la possibilité d'étudier à Rome. Donc, une personnalité complexe. Et
Cette personnalité complexe, elle a été déjà l'objet, si vous voulez, de discussions du vivant de David. On lui a reproché, et c'est là-dessus que moi je m'élève vraiment, mais très très fortement, on a dit que David ne savait pas, n'était pas un coloriste. Et moi je voudrais répondre que David est un coloriste et il n'est pas un colorieur. Alors, il y a des moments dans sa carrière où il a hésité, où il a fait des recherches, surtout au début, qui ne sont pas très, très intéressantes. Mais, et je me permets de citer une remarque d'un historien français qui est, à mon avis, la plus intéressante pour ce que je veux vous montrer. C'est que l'historien français en question, c'est Élie Faure. Et voici ce qu'écrit Élie Faure. Toute sa vie a été une collaboration entêtée et pénible entre sa nature d'artiste et sa volonté d'esthéticien, entre les besoins de son être et les croyances de son temps. Il est peintre autant qu'on peut l'être. Dans ses scènes d'histoire les plus copiées sur les statues antiques par le mouvement extérieur, dans ses cérémonies contemporaines les plus ramenées par l'ordonnance froide et raide, ramenées au bas-relief des arcs romains, et voici la phrase qui est importante, une robe de pourpre ou un coussin de velours bleu, une broderie d'or, une plume, un drapeau de soie, tout ce qui est chose actuelle, accessoire impossible à modifier dans la matière, est peint avec le plus riche, le plus dense et le plus opaque éclat. Donc, pour appuyer cette très belle remarque d'Élie Faure, j'ai choisi quelques détails de tableaux ou des tableaux eux-mêmes. Bon, je vous avais montré rapidement donc, un détail des fioles de Lavoisier, un détail du très joli bouquet de fleurs de Madame Cérisia qui se détache d'ailleurs sur cette robe blanche immaculée. Et le blanc est une couleur particulièrement difficile à traiter. Et je voulais vous montrer dans ce portrait de Madame de Sorcy-Télusson, donc peint en 1790, comment un artiste que l'on a considéré comme ne sachant pas utiliser la couleur arrive à un raffinement extrême uniquement dans une harmonie de blanc. La robe de la jeune femme est blanche, mais avec quelques reflets légèrement gris. Et vous avez au contraire le grand châle qui est crème et qui est simplement réchauffé par les motifs cachemire qui sont dans le bas et puis le nœud rouge qui apparaît et qui se détache sur le fond gris. Et si vous regardez ce détail des Amours de Paris d'Hélène, bon, véritablement deux statues imitées de l'antique, mais regardez les passages de couleurs, donc un rose mauve, le bleu et surtout l'extraordinaire transparence de la tunique d'Hélène qui laisse faire voir tous les charmes de son corps. Dans le domaine des grands portraits, j'ai choisi le portrait de Napoléon dans son cabinet de travail et le dernier portrait peint par David à Bruxelles en 1824. Tous les deux sont des portraits grandeur nature. Bon, Napoléon, je sais, vous allez me dire, c'est un portrait officiel. Qu'est-ce que vous essayez de vouloir absolument nous démontrer? Je vous dirais deux choses. D'une part, c'est que dans ce portrait, qui est un portrait officiel, mais qui n'est pas une commande de l'empereur, c'est une commande d'un Anglais. David n'essaie pas de donner de Napoléon une image idéale, en fait. Il a représenté l'empereur un peu bedonnant, avec un visage déjà fatigué et surtout moins de cheveux. Mais, en revanche, il s'est, laissé au plaisir, évidemment, de situer l'empereur dans son cabinet de travail. Et si on regarde tous les détails, le fauteuil, l'arme, l'horloge, les détails du pilastre, la somptuosité du fauteuil, c'est un très, très beau portrait officiel. Mais c'est justement la beauté du tableau, vient pas du modèle, mais de son décor environnement. Juliette de Villeneuve, donc le dernier portrait peint par David avant sa mort, bon, qui est rentré au Louvre il y a quelques années.
qui est un portrait en pied, ce qui est assez rare pour les portraits féminins. Et là, c'est, à mon avis, un pur chef-d'œuvre. Vous devez me croire. Car cette jeune femme, dont le visage n'est pas très, très joli, se présente à nous donc, en train d'accorder sa harpe. Il y a un minimum de détails, et tous les détails sont rendus avec une douceur et avec une fidélité, une sorte de, même de sensualité de la matière. Et évidemment, quand nous avons découvert le tableau, quand il est arrivé au Louvre, tout le monde s'est extasié en regardant l'extraordinaire chapeau de paille de Juliette de Villeneuve, qui équilibre en quelque sorte la harpe et puis l'extraordinaire écharpe, avec des harmonies de vert et d'or, et le tout mis en valeur par ce tapis rouge sur lequel la jeune fille est en train de s'apparaître à nous. Et c'est vrai que les tableaux de la fin de la période bruxelloise de David, en quelque sorte, sont peut-être ceux qui ont fait hurler non seulement les contemporains, mais surtout la génération d'historiens au début du XXe siècle. Ces tableaux ont été dévastés par la critique. On a trouvé que David, justement, usait de coloris beaucoup trop violents. Et les historiens ont été perdus, finalement, par, en plus, cette mise en page très étrange, avec des tableaux très, très concentrés, avec quatre personnages. Toujours des sujets tirés de l'Antiquité, mais moi je ne vais pas, d'abord parce que l'heure avance, insister si vous voulez sur les sources antiques. Ce que je voulais simplement, c'est vous montrer un artiste qui est tout de même parvenu à la fin de sa vie et qui retrouve une sorte de jeunesse finalement en se replongeant dans les thèmes antiques, mais qui l'interprète avec une libération de la couleur qui doit beaucoup d'ailleurs au contact qu'il a avec les artistes contemporains de son époque, et aussi parce qu'il va dans les musées et qu'il découvre les tableaux flamands du XVIe et du XVIIe siècle. Et le tableau, peut-être, qui, à mon avis, symbolise finalement le mieux ce que je voulais essayer de vous dire, c'est que cette recherche de beauté idéale, en partant finalement de la réalité, elle a abouti à ce tableau très étrange qui est à Cleveland, qui représente le jeune Cupidon qui s'apprête à quitter Psyché après une nuit amoureuse, et qui est un tableau qui n'a jamais été compris du vivant de David. Et on a reproché à ce moment-là à David, au fond, de faire quelque chose de déséquilibré. Et surtout, le visage de ce jeune amour qui semble sorti finalement presque d'un modèle pris dans la rue, c'est ce qui a déconcerté la critique et qui nous montre une fois de plus, si vous voulez, que la complexité de la personnalité de David l'entraîne quelquefois, j'allais dire, dans des dérives qu'il faut bien effectivement reconnaître. Et à cet égard, les dessins qu'il exécute donc dans ces dernières années de Bruxelles sont probablement les plus dérangeants, mais à mon avis les plus passionnants. Vous avez une série de dessins comme celui-ci, là, comme ce groupe de personnages affligés. Ce sont des petites feuilles qui sont dessinées avec un crayon très gras, qui représentent des sujets qu'on a eu beaucoup de mal à interpréter, et certains sont toujours inexplicables. Mais vous avez des figures qui sont coupées à mi-corps, en général, qui sont tous des visages très expressifs, comme une sorte de répertoire de tous les thèmes de la douleur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Et à mon avis, c'est là, si vous voulez, qu'il faut essayer de s'arrêter une seconde pour comprendre que nous avons affaire à probablement l'ultime testament du dessinateur qui, au fond, toute sa vie, a essayé de naviguer entre l'idéal et le réalisme. Et c'est ma conclusion. Si les jugements sur la personnalité de David ont été si contradictoires, c'est qu'en fait, David n'a peut-être jamais donné finalement la clé de sa démarche.
Et c'est vrai que quand on veut faire un peu l'histoire de ces jugements sur David, on arrive à ne plus tellement savoir exactement ce qu'il en est. Moi, j'ai opté définitivement pour ce jugement d'un écrivain qui se nomme Alain Jouffroy, qui est un critique d'art passionné qui avait publié, et c'est ma conclusion, qui a publié en 1989 un essai qui est évidemment pour moi particulièrement important puisqu'il s'appelle « Aimer David ». Donc je vous livre à travers ma modeste prose ce que Jouffroy a essayé de faire comprendre, c'est-à-dire qu'il faut passer peut-être par-dessus certains clichés et faire comprendre que David, c'est tout de même un peintre plein de fougue et de modernité. Et voici la citation de Jouffroy, qui part justement, qui s'est particulièrement intéressé, vous allez voir pourquoi, au tableau des Sabines. « David, de toute évidence, était un homme qui marche. Son itinéraire, à travers l'une des périodes capitales de l'humanité, où à chaque instant un individu impulsif et ambitieux comme lui, pouvait sombrer, s'annihiler lui-même, reste à nul autre comparable. » Donc son itinéraire reste à nul autre comparable. Et le jugement d'Alain Jouffroy est objectif, parce qu'il dit ceci, « Exemplaire, non. » Bien qu'il ait assumé à sa manière la survie du sens du monde. Exceptionnel, singulier en cela, oui. En s'engageant tout entier, comme il l'a fait, à l'intérieur du brasier où l'histoire des temps modernes a commencé, et en donnant forme au sens pour créer des mythes, David a fait de la peinture autre chose qu'une fuite hors du temps. Il a transformé l'acte même de peindre en moyen d'intervention dans la vie réelle. On peut violemment contester certains de ses choix politiques, les insurmontables contradictions qu'elles impliquent, et principalement d'avoir contribué à la pompe napoléonienne par des tableaux où la liberté cède tout l'espace de la liberté à la nécessité. Mais n'oublions pas que pour David, comme pour beaucoup de conventionnels qui ont survécu à la terreur et à la réaction thermidorienne, au tribunal révolutionnaire comme à la terreur blanche, le pire jusqu'au 18 Brumaire, c'est-à-dire l'arrivée de Bonaparte, eût été le retour de la monarchie. Toute son œuvre porte, comme celle de tous les savants qui étaient ses contemporains, la marque de cette volonté de fortifier l'irréversible. Au XXe siècle, Picasso a joué un rôle semblable avec quelques autres par rapport au fascisme espagnol, au nazisme. Et Guernica s'inscrit dans la lignée des Sabines, comme le cubisme restait, contrairement à ce que l'on croit, dans la lignée du néoclassicisme. Et j'arrête là ma citation de Jouffroy. Je me suis permis de terminer non pas sur David, mais sur Picasso, tout simplement parce que je voulais vous rappeler que Picasso à une certaine époque de sa vie, regardé dans tous les détails le tableau des Sabines. Et nous connaissons bien l'histoire. C'était en 1962, Picasso se trouvait avec sa femme Jacqueline, avec un peintre, Édouard Pignon, et sa femme, Hélène Parmenin. Et il faut imaginer ce petit groupe donc en train de regarder au mur les diapositives, les images que Picasso projetait. Et imaginez Picasso donc en train de disserter, non seulement devant le tableau des Sabines, mais devant un tableau de Poussin, et d'essayer de, dans quelque sorte, de donner sa propre analyse du tableau de David. Pour quelles raisons? C'est ce qu'évidemment les historiens se sont demandés. Et la réponse, en fait, c'est que tout simplement, dans le tableau des Sabines, comme dans le tableau de Poussin, Picasso avait trouvé l'écho d'un thème qui lui était déjà familier, celui de la violence, surtout contre les femmes et les enfants. Malheureusement, je n'ai pas les dessins de Picasso et je le regrette. Mais en allant hier au musée Reina Sofia et en regardant avec ma fille la salle de Guernica et surtout toutes les études préparatoires,
Je me suis dit, au fond, que je pouvais rester sur cette analogie qui peut-être va vous dérouter. Parce qu'en fait, Picasso est probablement celui qui a le mieux compris les tableaux du passé des maîtres, et ce qui avait été l'objet d'une exposition d'ailleurs passionnante à Paris il y a quelques années. Picasso, comme David, mais à sa manière, étant un artiste qui a détourné donc à des fins modernes tous les emprunts faits à l'Antiquité pour que se voit, comme vous le savez, donc cette série de tableaux contre la guerre, qui ont donc été exposés au Salon de mai 1963 et qui ont eu le retentissement que vous connaissez. Et je terminerai de façon plus simple, mais en ayant recours à, non pas à Baudelaire, mais à l'autre grand poète critique d'art du romantisme qui est Théophile Gautier, qui a dit ceci. David, dont la gloire a été un instant voilée par la poussière que soulevaient vers 1800 les grandes luttes des romantiques contre les classiques, n'en restera pas moins désormais un maître au-dessus de toute atteinte. Je vous remercie.